E
Atento Firmino 68, atento Casa das Máquinas, atento Suíça, vamos a ver se escuta, sintoniza, é a cidade de Coimbra a solicitar com boa tarde. Pascal, à toi, Pascal, 641, c'est à toi.
CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest France, le département de la Gironde. CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde. CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, secteur Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le département de la Gironde, sud-ouest France. CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde.
CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. C'est la écoute. 73 le Jura, puis Pascal là de Fréjus, le 83 le Var. De l'opérateur Christian, la région bordelaise, à 70 km sud de Bordeaux, et Pascal là. Christian, 14 novembre, Victor, 159. Le bon 73, Pascal, du 83, si tu as cuit celle-là. Et 73 du 33. Oui, bonsoir Christian de Bordeaux, ouais, donc ça aussi très bien, hein, dans de très bonnes conditions aussi. Hein. Bon, malheureusement, il y a toujours du monde derrière qui bavarde en même temps. Non, non, ça part très bien. Voilà, donc l'opérateur c'est Pascal et la ville c'est Fréjus dans le Var, hein, dans le 83, Fréjus à côté de Saint-Tropez. Hein. Voilà, au retour. Oui, bien pris, Fréjus à côté de Saint-Tropez, ouais, belle ville. Hein. Oui, ça passe bien, Pascal, superbe radio, félicitations, il n'y a rien à dire. Là, je suis avec la cubicale quoi, trois éléments que Bernard m'a fabriqué là, qui est mon voisin là, qui est en cuisson avec toi là. Je vous ai écouté depuis un petit moment, alors j'ai dit, je vais envoyer un petit coucou là. Voilà, et... La sud, ouais, ouais, pour moi ça serait plus est, mais c'est pas grave, hein. ça passe la couette deux éléments, ouais, c'est bien en deux éléments, moi c'est qu'un élément. Mais bon, après je pourrais mettre un élément réflecteur derrière ou un élément directeur devant. Voilà, je sais pas si c'est un élément directeur ou un élément réflecteur que t'as. À côté de chez moi. Pour la saison. Allez, je te salue, merci de ce sympa QSO. Bon, le prénom ici c'est Daniel, 14 Charlie Delta numéro 47, puisque je suis de la région 47. Et là je suis en déplacement temporaire dans le 24, donc c'est pourquoi je suis en mode portable. Voilà, 73, merci de ce sympa QSO, à toi pour le final. Il
comme quoi la propague peut être sur le 11 mètres et pas forcément ailleurs. Pas forcément plus bas. Certains pensent que quand on a la propague sur une 27 mégas, forcément aillée sur toute la bande HF. Ben, la preuve que non. Les fréquences sont pas du tout encombrées. Si je ne me trompe pas de fréquence, là, de temps en temps, il doit y avoir, je n'arrive pas à retrouver mes notes, QSO des... Ah oui, non, c'est dans l'ordinateur. Il doit y avoir des Québécois, généralement, là, de ce côté-ci. Bon, évidemment, la propague n'est pas de ce côté-là. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur ami, qui lance appel en fixe depuis le département de la Gironde, Sud-Ouest France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur ami, qui lance appel en fixe depuis le département de la Gironde, Sud-Ouest France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en fixe depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. Oui, la station, les 213-51 de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest de France, pas très loin de Saint-Émilion. Ok Manuel, attendez, ne quittez pas, je regarde là pour une fréquence de dégagement. Ah ben, tout le monde arrive. Ok, je vous propose un QSY sur le 27 440 27 440 27 440, c'est parti pour moi. Attention à la station du Portugal pour 14 km, 3301, opérateur ami, en fixe sur le sud-ouest de France, pas très loin de Saint-Émilion. Ouais, il y a un petit peu la propague me joue quelques petits tours là de mon côté. Tout à l'heure ça passait très fort. Là maintenant elle a un petit peu baissé. J'ai pas tout eu QSL, mais c'est pas grave, j'ai compris où c'est que vous êtes. Là sans problème. Eh bien apparemment vous avez l'air d'être vraiment là bien placé là d'après ce que j'ai compris, là au niveau du QTH. Alors pour ma part, voilà, je suis pas très loin de Saint-Émilion, un petit 12 km à l'est de Saint-Émilion, si vous voyez un petit peu le QTH. J'habite 74,
l'avion se lève jusqu'à l'icône. Et après, bah, j'ai payé à haut à Colin qui allait me chercher à l'icône. Ça fait presque 300 km depuis le jour de l'icône. Au bord de la mer, quoi. Je suis vraiment au bord de la mer. Alors, ça passe, c'est vrai que des fois, c'est incroyable. Surtout le matin, au nord, il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde, même de la Bretagne, tout ça, mais il y a même dans la région parisienne, ça passe bien des fois. Alors, comme je dis, des fois, c'est en France, j'ai du gros bateau, je n'arrive pas à parler sur Bordeaux, et depuis là, il faut que je vienne à Bagdad pour pouvoir parler en France, c'est quelque chose. Ok. Ouais, non, mais quand vous m'avez donné votre QTH tout à l'heure, j'ai bien compris que vous étiez vraiment, vraiment bien placé. Hein. Bah, effectivement, mais de mon côté, c'est pas mal aussi, hein, malgré que je sois là dans un trou, hachis trois coups. La propague arrive très, très bien de mon côté, puisque depuis quelques temps déjà, j'ai tous les jours l'Espagne, l'Italie, Portugal qui passent de mon côté. On se tourne un petit peu après vers l'Allemagne, de ce côté-là. La Suisse, non, j'entends pas trop la Suisse. Et là, pour les départements français, oui, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a l'air de vouloir bien passer. Alors, je dis ça comme ça, puisque là, ça fait pas longtemps que je suis sorti du travail. Hachis trois coups. Ok, ça coûte à personne, hein, c'est du 79. Hein. Enregistré, break. 79, radio de sac, sans aucun problème, ça cartonne super bien. C'est très bonne modulation, il n'y a aucun souci. Les conditions de trafic ici, c'est une relâche qui se tourne, tout court ici, à Montréal. On limite à peu près 12-13 autres, pas plus que ça, je l'ai déversé, c'est moi qui fais une revision à collègue à nous. Que les propagés là. Ok, d'accord. Eh bien, ça marche vraiment bien. La modulation est vraiment propre. Alors, c'est du 57 Radio 5, Santiago 7, là, de mon côté. Hein. Donc là, ça passe vraiment bien. Alors, de mon côté, les conditions de trafic, c'est un petit Yazoo FT450AT. Bon, qui n'est pas tout jeune. Ah, il a bien 10 ans, là, mon poste. Hein. Donc, au niveau de désolé, il y a un petit peu la fatigue de la journée de travail qui est là. Hachis, du côté de l'antenne, c'est une Sigma Mantova 8. Voilà, je suis uniquement sur antenne verticale. Retour. Le problème c'est qu'ici au bord de la mer, l'air avec du sel de la mer, ça fait. Alors je me suis acheté d'eau, et bien dans 6 années, dans 6 ans, je serai de retour au Portugal à la retraite pour mes roues libres, et puis à ce moment-là, j'apporterai mon assurance. Il va là, quoi. Ok, 100% QSL. Justement, tiens, une petite astuce par rapport au sel, à l'air marin. Pourquoi ne pas la vernir? Ce serait une bonne idée. Une fois vernie, elle serait protégée justement contre le sel. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, René, il m'a dit, écoute, ici, le vernis, c'est pas le top, ça, parce que ça te bouffe, il paraît. Eh bien, ce que j'ai fait à la mienne, j'ai eu un collègue qui m'a dit, la vaseline de la pommade, la crème, je crois qu'il est installé, bien installé par le de la vaseline. Le gros problème que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est qu'elle est noire.
Ok, d'accord, bien reçu. Ouais, en tout cas, là, de mon côté, vu l'endroit où je suis, j'ai dû peindre mon antenne de façon à ce que, est-ce qu'elle ne se voie pas dans le paysage. Alors, j'ai pris une peinture à l'eau pour l'extérieur. Voilà, donc, ça ne craint rien du tout, là, pour l'antenne. Elle fonctionne toujours aussi bien. Et du coup, j'ai dû la perdre de la même couleur que les arbres, là, d'une sorte de vert foncé, là, pour qu'on la voie pas. Parce que là, c'est vrai que là, je suis dans un endroit un petit peu particulier à ce niveau-là. Et forcément, si elle est trop voyante, eh bien, on me demandera vite de l'enlever. Ça m'arrange bien comme ça. Et puis pour la radio, c'est sûr que c'est le top. C'est pour ça que là, même là-haut, j'ai la directive, la 3 éléments, la DXFR 3 éléments, et puis la Black Pirate sur le toit de la maison. Ok, ben vous avez vraiment de la chance, car bon, je me plains pas hein, quand même, parce que bon, là, je fais de la radio en fixe, j'en fais aussi en mobile, hein, et c'est vrai qu'en mobile, c'est tout aussi appréciable. Mais autrement, là, au niveau du fixe, hein, au niveau du QRA, là, je suis en plein centre d'un village. Alors, en plus, et puis à côté de chez moi, j'ai une église qui est classée au monument historique. Donc voilà pourquoi je suis obligé de faire attention. Voilà pourquoi aussi je ne peux pas mettre de pylône ni de directive. Voilà, c'est par rapport à tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Je suis sur antenne verticale. Et j'ai fait ce qu'il fait de mon côté pour qu'elle soit discrète. Et là, ça fait déjà, ça fait bien 10 ans qu'elle est sur le toit. Donc, jusqu'à maintenant, personne ne s'en est plaint. Donc, il n'y a pas de problème. Je continue comme ça. Je préfère pas chercher à essayer à avoir plus. Car pour le coup, ça serait risquer de tout perdre au bout du compte. Un chi trois coups. Ça fonctionne très bien. Le 452 fait bien son boulot, une très bonne modulation. Enfin, il fait son boulot aussi parce que ça arrive ici sans demander pour des gens sans aucun problème, sans aucun souci. Radio super, vraiment super. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je parle avec un OM qui a le 450D, hein, super modulation. Mon premier détecteur, c'est le ST840 de chez ZUZ. Et après, je l'ai acheté encore à ICOM 7002. Et puis, là, il y a 3 ans en arrière, ben, j'ai vendu les deux et j'ai acheté le ST1200. Et puis, j'ai aussi le 480 HX, j'aime bien chez Kenwood. Voilà pour les conditions, des fois, à la maison aussi, c'est pas mal non plus. Hein. Ok, d'accord. Je crois qu'il y a eu un break derrière. Voilà. Donc, avec votre permission, j'aimerais faire rentrer le break, en avant le break. Ok, merci Rémi. 50-51, j'en profite pour faire mes amis.
Saint-Pierre, je copie pas sur vous. Voilà, 14-201, département 06, opérateur Philippe Rémy. Bonne amitié, merci de m'avoir repassé le micro. Je travaille avec impatience, j'ai dit peut-être que la propagation va tourner. Voilà, en tout cas, de bonnes amitiés à toi, Rémi, 73 à la station, mais je ne la copie pas. Voilà, Rémi, 73, 14 Alpha Sierra, département 06, Rémi, opérateur Philippe, pour ton micro à toi, avec les bonnes amitiés. Ok, ben c'est du 59 là de mon côté. Hein. Là au dernier passage, ouais, c'est monté à 59. Les 73 retournés. Qu'est-ce que je voulais dire? Là oui, je suis en compagnie de la station, d'une station là, du Portugal. Alors je sais pas, je pense que tu l'entends, vu comment il est, quoi que ça veut rien dire. Je vais retourner le micro sur le Portugal pour voir si, si il t'entend. Ah oui. Il entend tout le monde. Ok QSL Manuel, retour sur toi Philippe. Merci Rémi, je le perçois mais au fond. Hein. Je le perçois au fond, mais bon c'est très petit. Hein. Bah, j'ai un petit QRM à 3. Là. J'inaugure ça, je te fais une petite vidéo Rémi, hein, pour la chier. Voilà, bien content en tout cas de te copier. Donc ici, bah, moi c'est toujours le 6000 FN, hein, antenne GP27. Voilà. Tu vois, t'es dans une cuvette, mais ça passe quand même, hein, quand il y a une propagation. Bah, j'ai fait un petit tour de galette, j'étais reconnu, donc du coup, bah, je me suis attardé. Petit break tout à l'heure, merci. Petite relance. Et Rémi, quand il est parti, il part, la chie. Hein. En tout cas, bien content de te copier, Rémi. Voilà, ça fait bien plaisir, ça fait un petit moment qu'on s'était pas entendu. En direct, bien sûr. Hein. On sait souvent sur les réseaux sociaux, tout ça, donc en direct, ça fait bien plaisir de te copier. Là, ici, Nice, hein, tempête de ciel bleu sur les Alpes-Maritimes, hein, sur Nice, avec des bonnes chaleurs. Là. Voilà, Rémi. Et donc, du coup, la station, bien dommage. En tout cas, j'envoie mes bonnes amitiés si me copie, lui. Mais moi, c'est très difficile de son côté. Là. Voilà, Rémi, retour micro. Ok, ben Manuel, lui, il entend tout le monde. Il entend tout le monde, il entend assez fréquemment la Bretagne, il entend les autres régions d'un peu partout la France. Il a un emplacement là sur le Portugal qui est des meilleurs, il est carrément sur le bord de l'eau. Voilà. Donc forcément, là, ça aide bien. Il aime quoi que je dis que ça aide bien, mais c'est pas toujours vrai. Puisque quand on est entouré de sable, tout ça, des fois, ça a tendance à être assez moyen. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une petite expérience à ce niveau-là. J'avais été du côté de Lacano et j'avais monté une autre antenne là, dans une remorque et on était en plein sur le sable. On était bien à quoi, peut-être à 200 mètres de la flotte. Et ben c'était pas aussi top que ça. Pour le coup, on s'est rendu compte que depuis le QRA, ben, ça passait mieux que d'être carrément sur le sable. Autrement, oui, je suis en train là de faire une petite vidéo là actuellement. J'ai même carrément relancé, autant dire que là ça va être une grosse vidéo. Hachi trois coups. Retour Philippe. Ok, merci Rémi, j'ai retour micro, ben, j'en profite, hein, je la mettrai sur ma petite chaîne aussi, ben, comme ça moi tu pourras t'écouter. Hein. Voilà, ça fait toujours bien plaisir de s'entendre. Hein. Ok, d'accord pour l'opérateur là sur le Portugal. Hein. Ouais, ok, ben écoute là, ben, pour l'instant je le perçois, hein, j'entends, je sais qu'il module, mais tu verras sur la vidéo là, c'est un petit QRM à 3 là, je pense que si j'aurais pas eu de QRM ce soir, ça aurait été le contact, ça aurait été possible. Voilà. Dans tout cas, Rémi, je t'en mets pas plus, hein. Je suis venu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, ben, j'en ai bien profité de te faire un petit break, et voilà. Je suis tes vidéos, tes tout, hein, tu le sais depuis le temps. Voilà, donc du coup, ben, quand je t'entends, ça fait bien plaisir de te faire un petit coucou, là, voilà.
toi le grand passionné de la radio, hein, tout comme nous. Et voilà, je te souhaite de bonnes continuations, surtout il continue dans ce sens-là. Voilà, voilà malgré quelques poignées d'OM, ou même on peut les compter sur une mer, qui articule un petit peu, mais après sinon, tu vois, c'est super sympa, quoi. Voilà, tu vois. Rémi, hein. Ok, pour ta journée de pro, là, ben écoute, je t'envoie avec bonne journée ici, Rémi, 2073-61, je vais poster la petite vidéo là, sur ma chaîne YouTube, comme ça tu pourras être écouté. Je me fais pas plus long, tu étais en communication avec l'ami, là, sur le Portugal, que j'envoie mes bonnes amitiés aussi également, 2073, merci de m'avoir accepté dans le QSO, surtout, Rémi, et à l'autre station aussi également, là, sur le Portugal. En tout cas, bonnes amitiés, 2073, et je te souhaite plein de bonnes choses, Rémi, hein. Voilà, très très bonne continuation, ça m'a fait plaisir vraiment de t'avoir en fréquence ce soir. 73 Rémi, ici 14, Alpha Sierra, département 06, opérateur Philippe, qui t'envoie les bonnes amitiés, Rémi. Retour micro. Ok Philippe, mais merci beaucoup. C'est, ça fait bien plaisir de t'avoir eu en fréquence. Donc les bonnes 73-51, toi retourner. À la prochaine sur en fréquence. Et je fais un retour de micro sur Manuel pour qu'il puisse t'envoyer les bonnes 73 également. Même si tu as du mal à l'entendre. Alors, il suffit que là il y ait une petite hausse de propag juste là au moment propice pour que c'est bon, il arrive comme un boule de canon chez toi. Hachi, retour sur toi Manuel, Philippe. Passe en QRT. Ok, 73, merci beaucoup Philippe pour le petit coucou aussi. Moi j'adore tout ça bien des fois, il n'y a pas de signal, mais il y a toujours la radio, une très bonne radio aussi. Hein. Il n'y a pas de signal, mais il y a toujours la radio, c'est déjà super bien, Philippe. Toutes les invités, merci beaucoup aussi du petit coucou, avec les gens sympathiques. Merci aussi Rémi, je vais passer à deux autres radios. Ok, passe en QRT aussi. Il est passé aux oubliettes. Ah zut! Ok, là c'est parti complètement dans le lointain. J'espère que je ne surmodule pas. Bon ok, moi ça a l'air d'être bon, apparemment je ne surmodule pas, vous avez relâché le micro. Là je vous ai complètement perdu là sur la fin. Alors les bonnes 73-51 à vous, si toutefois vous arrivez à m'entendre. Et merci pour ce QSO là, pour ce contact, merci d'avoir répondu sur le 27-455, car il est vrai que les gens ont pris l'habitude de lancer des appels sur le 27-555, mais le 555 c'est la vraie cour de récréation. Donc pour du plus calme, c'est sûr qu'on a tout intérêt à lancer appel sur le 27-455. Et la preuve, ça marche, ça répond. Peut-être pas de suite, après bon, on va à la pêche au contact, hein. De toute façon c'est ça la radio, c'est ça le DX surtout. Alors merci beaucoup là pour ce QSO, des bonnes 73-51 à vous et merci, bye bye. Sans problème, hein. Bah, c'est bien passé là, le passage, là, c'était du 59 plus, hein, tu verras sur la vidéo. Hein. Voilà, j'ai entendu, perçu le Portugal. Voilà, mes bonnes amitiés renouvelées. A très bientôt, 73, Rémi. Vraiment un plaisir. Hein. Ciao, ciao, à bientôt. Ok, merci, tout ça retourné. Il y a une autre station qui s'est signalée. Oui, en avant, avec les bonnes 73. Oui, 73. Merci de me répondre. Ici, c'est 14 Roméo Victor 026. Prénom Jacques et le département, c'est le département de la Drôme, Cressel. Jacques, le département de la Drôme, oui, 100% QSL, les bonnes 73-51 à vous, de la part de 14 Kilomac, 3301, opérateur Rémi, à côté de Saint-Émilion, en fixe. Ok, Rémi, là, ça arrive en excellente condition, hein. C'est vrai que je faisais un petit peu de fréquence, j'étais tout à fait d'accord, là, que le 7455, là, c'est ce que je fais, hein. Voilà, ça me rappelle quelques années de faire en arrière. Là. C'est bien moins bousculé que 1555, où ça devient un peu n'importe quoi par moment. Là. Voilà, Rémi. Hein. Ici, ben, il n'y a que le QTH, là. Je me situe sur le département de la Drôme, que j'ai dit, le 26, et je suis à proximité de la ville de Valence, à 25 km plus au sud de la ville de Valence. Voilà, vous arrivez dans des conditions, hein, c'est 59 plus 20 dB à QSL.
Oui, c'est que 100% QSL, j'y arrive. J'étais en train de regarder le à combien vous m'arrivez. Du coup, réfléchir, parler en même temps, ça je sais pas faire. Je suis pas multitâche. Ah, je suis trois coups. Alors de mon côté, c'est du 59 plus 10. Voilà, c'est une très très bonne radio. Là, on sent qu'il y a du bon matériel derrière, parce que là, c'est une radio vraiment très très propre hein, de mon côté. Alors pour ma part, les conditions de trafic, c'est un petit Yazoo FT450AT, bon, qui a bien 10 ans hein, déjà. Et côté aérien, là je suis sur antenne verticale, une Sigma Mantova 8. Ok, Rémi, là. Je ne sais pas si vous donnez le prénom de l'opérateur, ici le prénom c'est Jacques. Hein. Ok, pour les conditions d'amusement, mais ici là. Les conditions, c'est un Nikon, le IC706, première génération, hein, c'est un vieux coco, mais qui fonctionne toujours. Hein. Microphone d'origine et l'antenne, ben, c'est une verticale, là, une ampon à 99, là, perchée sur le toit du cuir. Hein. Voilà, très bonne ouverture ce soir, là. Comme je disais à d'autres N, là, c'est rare de trouver des ouvertures hein, aussi costauds. Et bien sûr, avec des très bons signaux, hein, puisque j'ai fait l'ouest département 17, j'ai fait le nord et là maintenant le sud-ouest, là, ça arrive dans d'excellentes conditions. Voilà, micro mon tour, Rémi. Ok, d'accord, ben là cet après-midi j'ai pas pu trop voir, ou alors très furtivement, puisque bon là j'étais au pro, mais bon le prochain coup je rattaque en nuit, donc là je vais peut-être pouvoir un peu plus l'après-midi, voir un petit peu les ouvertures qu'il y a. Quoique je dis ça, mais je vois de notre côté là sur la Gironde, la propague arrive doucement quand même dès le matin, hein. Et presque tous les là pendant un temps on avait de la propague là qui nous arrivait comme ça tous les matins, qui était soit échelonnée ou qui tenait sur toute la journée. Là ces derniers jours là c'était il y avait quelques temps de pause là en ce moment c'est un peu plus sporadique. Pour mieux revenir le prochain coup. Voilà, c'est. Puis de toute façon, là, si on regarde bien où on est au niveau propag, au niveau du cycle, si je me trompe pas, on doit commencer à mettre le pied sur la première marche pour remonter. C'est bien ça, retour? Oui, ok, Rémi, là. Jacques qui reprend, là. Oui, ça commence un peu à remonter, mais avant qu'on remonte dans les propagations qui a quelques. Années en arrière, il y en a pour un petit moment, hein. Voilà, parce qu'on est vraiment là, au creux de la vague. Hein. C'est vrai que c'est pour ça que j'avais un peu laissé tomber un peu la radio, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Hein. Et donc, bon, il y a plus quelques temps là, que je m'y suis remis. D'ailleurs, je l'ai enlevé de mon local que j'avais sous les toits, là, et je l'ai mis à l'intérieur, à tout, parce que j'avais quand même, c'était l'hiver, c'était pas assez chauffé, et l'été, c'était trop chaud. Mais là, je sais un peu mieux quand même où je me trouve. Hein. Ok, pour les propagations, oui, mais moi, c'est pas souvent hein, que je fais tout ce qui est la Gironde, tout l'ouest et le sud-ouest. Hein. C'est pas souvent que je fais tout, surtout tout ce qui est l'est, bien sûr, comme j'ai dit, le nord, mais le sud, là, sud-ouest, là, si j'entends les Espagnols, là, ça y est la propagation, mais surtout ça, certains Espagnols, là, chient, là, à ce qu'ils font, hein, je ne sais pas si vous les entendez, là, mais il y en a un ou deux, là, c'est vraiment, alors, des casse-pieds, hein, je modère mes paroles, voilà, pour le truc, et mais là, autrement, hein, tout ce qui est le 83, le Var, le Sud, tout ça, non, je sais pas, j'arrive pas à les contacter, au mieux moi, très 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 rarement, voilà, pour ces ouvertures, là. Voilà, ben ici, WX, là, sur la région de Valence, et bien c'est, on va pas dire tempête de ciel bleu, non, ciel couvert, avec du Mistral, hein. Les Mistral qui souffrent, bon, qui souffrent pas énormément, là, la girouette elle est en panne, j'ai jamais de girouette, mais elle ne donne plus la vitesse, mais je pense que ça doit être entre 30 et 40 km/h, là. Voilà, avec température enfin qui sont baissées, hein,
22 degrés là, c'est vraiment maintenant on va dire, ça y est, il va faire froid là, ça y est, avec les 40 degrés, voire 45 degrés là. Moi j'avais jamais vu des températures aussi élevées. Hein. Franchement là, c'était d'ailleurs la première année où j'ai relevé des températures aussi fortes. Donc maintenant ça s'est rafraîchi un peu, on va pouvoir un peu mieux dormir. Oui, il n'y a pas de problème, ça passe toujours là de mon côté. 45, ah oui, ça fait chaud là. Je vois là pour ma part, là au QRA, le maximum que j'ai eu, ça a été 43. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, d'autant plus que sur Bordeaux, ouais, je crois que c'est dû atteindre des 41 par là. C'est peut-être dû à l'emplacement là où je suis exactement, là que ça a monté à 43. Aujourd'hui, bon là, c'est un temps variable, on va dire, mais avec un beau ciel bleu qui est là quand même. Les températures sont aussi plus fraîches là de notre côté. On dort mieux, tellement mieux que du coup, bizarrement cette nuit, on a quand même attrapé un petit peu la couette. C'est pas histoire de jouer les frileux, mais quand la fraîcheur cette nuit nous a réveillés, mais pour le coup on a tiré un petit peu la couette. Comme quoi, les températures ont vraiment bien baissé. Alors moi ce qui me surprend là cette année, c'est si on regarde bien les années précédentes, c'est toujours le mois d'août qui est plus chaud et plus beau surtout que le mois de juillet. Eh bien cette année visiblement c'est complètement l'inverse. Alors je ne sais pas ce que ça présage de bon ou de mauvais par la suite. De mauvais on peut le deviner, hein, des températures encore plus chaudes à venir. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix, on fera avec. On va abuser un peu des clims. Non, c'est pas la meilleure solution. On va s'hydrater davantage, oui, déjà pour commencer, ce sera déjà pas mal. Mais comme j'ai pu voir là, certaines petites blagues là sur internet, on va s'hydrater avec de l'eau pure, hein, pas avec du Ricard de rajouter dans l'eau. Hachi. Ouais, ok Rémi là. Je sais pas, il y a une station qui avait lancé un break là. Si toujours patient, le retournement de micro un tout petit peu après. Oui, mais là, pour ce qui est température, là, il y a eu c'était de record, hein. Il n'y a jamais été aussi chaud là sur l'Europe. Hein. Voilà, d'après ce que j'avais lu là, c'était vraiment des records, mais vraiment il faisait chaud, hein. C'était même insupportable. Bon, moi j'ai une maison quand même avec des murs relativement épais, donc ça allait. Hein. Plus le ventilateur, c'était supportable. Mais enfin, sortir, c'était vraiment la promenade. Et quelques peurs pour des incendies, mais bon, pour l'instant, il y en a eu un peu sur le département voisin, là, c'est-à-dire sur l'Ardèche. Pas trop important, heureusement. Là. Et disons que là, bon, comme je te dis, ben, c'est vrai pour la couette, hein, c'est pareil aussi. Hein. Là, ce soir, je dormais avec la fenêtre ouverte, mais là, je l'ai mis à moitié, et puis avec la couette. Voilà. Donc, température beaucoup plus raisonnable. Voilà, Rémi, ben, écoute, avec ta permission, il y a une station qui s'est manifestée, mais depuis un petit moment là. Donc, je ne sais pas s'il a été patient. La station qui est derrière, si vous voulez revenir, là, je suis avec un ami Rémi sur la Gironde, et moi-même Jacques, là, sur le département de la Drôme. Non, il a perdu patience, là. Voilà. pour la petite info. Voilà, Rémi, je prends ton tour. Ok, merci pour le retour du micro. Non, je pense pas l'avoir. J'ai pas trop prêté attention, mais je ne pense pas l'avoir entendu là de mon côté. Hein. Autrement, petite question, est-ce que vous êtes sur internet? Oui, bien sûr, voilà, c'est. Heureusement que c'est ça là. Oui, bien sûr, je suis sur internet, hein. D'accord. Est-ce que vous connaissez le forum La Planète Sibi francophone? Répéter, s'il vous plaît. Alors, La Planète Sibi francophone. Voilà, c'est pour tout vous dire, j'ai un gros forum là sur internet, voilà, qui s'appelle La Planète Sibi francophone. Bon, là, il y a énormément là, de monde là, qui vient dessus. Il y a beaucoup de bidouilles, de ceci, de cela. Côté monde, c'est pas compliqué, c'est pas moins de 90 pays qui viennent visiter le forum. Ah,
Voilà un petit peu là pour les chiffres. Et pour ceux qui recherchent soit du vintage, parce qu'il y a un gros musée là qui est fait dessus, qui veut voir un peu les nouveautés, les postes récents, qui cherche des bidouilles en tout genre, que ce soit HF ou VHF, UHF, il y a énormément de sujets là d'ouvert dessus. Hein. Ok, Rémi, là, c'est noté, hein, la planifie francophone. Ok, bah je t'apprends, je regarderai. Oui, c'est vrai que oui, bah c'est intéressant, là. Oui, vous parlez de la chef. Oui, je fais un peu, là, ben là, j'ai pas envie de ce soir, là. Je fais un peu du PMR, là, hein. Aussi, hein, il y a des fois aussi des bonnes ouvertures, aussi, hein, sur ce mode-là, sur le chef, là. Il n'y a pas besoin beaucoup de puissance, des fois, hein, quand ça arrive, hein. J'ai fait des contacts relativement intéressants, là. Mais bon, c'est vrai que j'ai un petit pocket. Et donc, il y a du bon pour mon bord, mais bon, faut qu'il y ait des ouvertures, puis qu'il y ait des OS. Ok, pour ça, mais je vais noter. Je vais faire un petit tour, Rémi, sans aucun problème, je regarderai tout ça, là. Voilà, ça occupera l'OS. Voilà, Rémi, je vais t'en faire plus long. Je vais laisser un peu la place un peu aux copains, là, s'il y en a qui veulent vous contacter. Et puis pour ma part, bah, je vais refaire un petit taux de fréquence, là, remettre sur 27 455, ça. C'est vrai, ça me rappellera beaucoup de souvenirs, ça, hein. Ah, il y a quelques décennies de ça, là, derrière, c'était vraiment le canal. Et puis il y avait un autre canal aussi, hein, qui était en FM, hein, c'était le 26, je ne me rappelle plus combien, là. Oh, j'ai noté quelque part, hein. Et c'était le canal d'appel en FM, hein. Et j'ai fait des sacrés contacts comme ça en FM, hein. Voilà, bien souvent, ça passait même peut-être mieux en FM qu'en BLU. Et ouais, c'était le 26, je me souviens plus, je l'avais noté, mais le 27 455, c'était la fréquence des autres, c'était pour le PX, 555, c'était pour le PX, voilà. Et là, quand il y a la propagation, c'est même pas la peine d'en entendre parler, il y a trop de le monde, hein. On va dire tant mieux, hein. Il y a encore des OM là, qui font de la radio, voilà, ils sont pas tous avec l'informatique. Allez, Rémi, je ne veux pas te faire plus long, merci de ta sympathie de contact, et à une prochaine fois, avec grand plaisir, là, j'irai voir, là, la planète Sibi, la francophone, là, sans problème, là. Allez, bonne soirée, puis à une prochaine. Ok, merci. Ben dessus, sur le forum, comme au niveau local, mon QRZ, c'est Dandy33. Voilà, Dandy comme Crocodile Dandy, pareil. Sauf que vous jetez le croco, vous mettez 33 à la place. Hachis trois coups. Donc voilà. Ok, dans le 26 mégas en FM, je me souviens pas. Je me souviens plus du 27085, c'est-à-dire le canal 11 FM en normal. Ok, je vous laisse. Pour tout vous dire, là, en rentrant du pro, j'ai aussitôt allumé la station. J'ai vu ce que ça donnait sur la route, mais bon, vu que j'étais pas très loin du QRA, une fois rendu au QRA, j'ai allumé la station, mais je me suis jeté sur le micro. Et je suis encore en tenue de travail. Ah, chie ! Donc, s'il n'y a personne derrière, je ne me ferai pas plus long. J'irai vite faire ce que j'ai à faire. en tout cas, merci beaucoup pour ce QSO. Là, ça a vraiment bien passé là, jusqu'au bout. Hein. Donc, les bonnes 73 à vous et à la prochaine sur les ondes ou via Internet. Ok, Yannick, il n'y a pas de souci. Ton pseudo là sur la planète Sibi francophone, s'il te plaît, en break. Ok, pas de problème. Ben, mon pseudo sur la planète Sibi francophone, c'est ni plus ni moins mon QRZ local en AM sur la Gironde. Donc, Dandy33. Alors, je l'appelle Delta Uniforme November Delta Echo 3 de 3e. Ok, Dandy. Ça me rappelle un film, ça. Crocodile Dundee, Sky. Ok, Dundee 33. Ben, je vais faire un tour, puis je te mettrai un petit. Si je peux écrire, je ne sais pas s'il y a un forum, si je peux écrire quelque chose, je mettrai un petit mot. Bye bye.
Ah oui, c'est un forum. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Et vous serez un petit peu surpris par la taille du forum. Il y a de quoi voir. Vous ne serez pas déçu. Ok, ah oui, se tutoyer. Il n'y a pas de problème. Ça me va aussi. L'émotion 1351 à toi. Et profite bien de ce début de soirée. Merci beaucoup. Bye bye. Ok, bye bye. En plus, j'ai du QRM, c'est pas évident pour entendre si quelqu'un est derrière. Bon, c'est toujours la cour de récréation. Hein. Donc, oui. Donc vraiment ceux qui veulent passer des appels tranquilles, sans cette cacophonie, il n'y a pas 50 solutions. Et là, comme vous avez pu le voir, là, la puce en arrière là, dans la vidéo, eh bien, il y a des stations qui répondent. Hachi, les 73, merci, à la prochaine en QSO.